Et en plus de ça, et ben c'est super bon et c'est bien mieux de manger ça que de manger des choses achetées. Donc pour cette recette, on aura besoin de 125 g de flocons d'avoine, de 20 g de noix de coco. Alors moi pour ma part c'est des petites chips de noix de coco. Ensuite d'une petite poignée soit de noisettes, soit de noix, soit d'amandes. De 25 ml d'eau, de 3 cuillères à soupe de miel liquide, d'une cuillère et demie à café d'huile de coco et un petit peu de graines de vanille. Donc pour la première étape, on vient préchauffer notre four à 150. Ensuite, on va faire fondre l'huile de coco, donc une demi-cuillère à café, avec l'eau et 3 cuillères à soupe de miel. Ensuite, on vient rajouter un petit peu de vanille et on vient mélanger le tout. Ensuite, on vient écraser soit nos noix, soit nos noisettes, soit nos amandes avec un rouleau à pâtisserie. Donc dans un saladier, on vient mettre les flocons d'avoine et on vient rajouter nos noisettes qu'on vient d'écraser. Et ensuite, on va mélanger un petit peu. Ensuite, on vient rajouter notre mélange au miel dans nos flocons d'avoine et nos noisettes. On vient ensuite remélanger. Et on va laisser reposer quelques minutes jusqu'à ce que le flocon d'avoine gonfle. Ensuite, on vient mettre notre mélange sur une plaque de four. Et ensuite, on vient enfourner pour 20 minutes. Et voilà team, donc après avoir sorti le granola, on le laisse refroidir quelques minutes. Donc moi ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas assez surveillé ma cuisson. Donc surveillez bien votre cuisson, parce que bon, on peut voir que là c'est un petit peu trop cuit. Donc, et encore j'ai même pas mis 20 minutes, j'ai mis qu'une dizaine de minutes. Donc surveillez bien tout le temps votre cuisson. Donc ensuite on vient rajouter la noix de coco. Alors vous pouvez la remplacer aussi avec des cranberries, c'est tout aussi bon. On rajoute et on vient remélanger un petit peu. Et ensuite, cette recette, vous pouvez l'accompagner de yaourt ou de lait, donc pour le petit déjeuner ou le goûter, voilà. Donc la recette, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et à la reproduire aussi chez vous avec le hashtag TeamElCuisto si vous le souhaitez sur Instagram. Et en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui se trouve en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, et j'ai oublié aussi de vous dire, vous pouvez très bien le conserver dans un bocal fermé ou dans une boîte hermétique. Voilà, régalez-vous bien. Thank you.
Donc là, et ça veut... ça... Coucou la team.